Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Aha! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah! Hurrah! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est Barry le bus. On dirait qu'il est pressé. Est-ce que ça va, Barry? Oh, tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami. Voyons voir ce que tu as. Vert, tu peux aller chercher ma meilleure clé à molette. Oh, Vert, tu es stressé, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Voilà! C'est mieux? Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry! Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko! Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween.
Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être... hanté! Bleu. Ah, attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Qu'est-ce qui ne va pas, Vert? Waouh! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget! Tenez-vous prêts, les mécaniciens! Vert? Hola, Gecko! Ah, salut, Kat! Haha! Voici le moment d'installer un kit extra spécial! Allez-y, les mécaniciens! Je peux lui parler, Gecko? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corazon? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez, on ne peut pas le tester sans verre. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat. Allez, allez, Elena l'hélicoptère. À toi de jouer, Vert. Je crois en toi. Oh, oh, beau travail, Kat! C'était incroyable! Tout le mérite en revient à Vert! Oh, oh, bien joué, Vert! Ta-da-da-da-di-doo. Bon travail, les mécaniciens! Hein? Nom d'un tournevis! On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez! C'est Max, le Monster Truck! Et sa petite sœur, Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour, Max. Bonjour, Molly. Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse. Oh! Pas si vite! Oh! 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 Des écrous et des boulons, j'ai le vertige.
Maintenant, testons mon plan. Prêts, les mécaniciens? Attention cette fois. Ça a marché! Beau travail, les mécaniciens! Tout le monde s'amuse enfin. Bonjour à tous. Il semblerait que notre amie Elena ait besoin de réparation. Si, Gecko, le bras excavateur est coincé. Il est vraiment coincé. Je vais jeter un coup d'œil. Chut, les mécanos. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gecko. Alors faisons-lui la meilleure fête surprise de tous les temps. Ça veut dire garder le secret, d'accord? Pourrais-je avoir une clé, s'il vous plaît? Mécanicien? Mécanicien? Ah, merci, Rouge. On dirait que notre château gonflable a besoin d'un peu plus d'air. Jaune, pourrais-tu tenir ces ballons un instant, s'il te plaît? Bleu, vérifie donc pour grand-mère Gecko, elle sera là d'un instant à l'autre. Jaune? Oh, jaune! Oh non! Oh! Rouge, je sais ce qui se passe à présent. J'ai trouvé comment améliorer le bras excavateur d'Elena. Prenez vos outils, c'est l'heure de réparer. Et tandis qu'on répare, on essaye de rimer. Pour manœuvrer les pièces doucement et rapidement, utilisons de l'huile pour les lisser vraiment. Et si nous ajoutions quelque chose de nouveau? Ton bras excavateur fera plus de travaux. Tous les problèmes ne sont pas saisis ou remorqués. Il faut de nouveaux outils pour te diversifier. Avec ton nouveau bras excavateur en place, il n'y a aucun problème auquel tu ne peux faire face. Gecko! Jaune tient trop de ballons et il s'envole dans le ciel. Vamonos! On arrive, Jaune! Oh! Ah! Ces ballons rendent son approche très difficile, Gecko. Hein? Il est temps de tester mes améliorations au bras excavateur d'Elena. Essayons de repousser Jaune vers le garage. Pour faire descendre Jaune correctement et lentement, faisons sauter un ballon à la fois. Accroche-toi, Jaune! Tu es presque en bas! Non! Ouf! Jaune va bien! Hein? Écrou et boulon, que se passe-t-il, Kat? Surprise! C'est pour ton anniversaire! Nous sommes ici pour célébrer à quel point tu comptes pour nous tous! Feliz cumpleaños, Gecko! Merci beaucoup, tout le monde! Faisons la fête! Oh, bien joué, Kat! Gracias, Gecko! On est à la base de Kat aujourd'hui pour son anniversaire. On lui a acheté un gros gâteau. Mais chut! Elle ne le sait pas encore! On doit aller sauver quelqu'un. Ne t'inquiète pas, Jaune. Je dois juste ajuster le treuil. On doit tomber rapidement. Elena, arrête le rotor. Tu es prêt, Gecko? Presque, presque. Oui. Thank you.
Encore un atterrissage heureux. Et... joyeux anniversaire, Kat. Gracias, amigos. Hourra! Ah, hourra! Bonjour tout le monde. On vient d'installer une toute nouvelle brosse au lavoto. Voyons voir si elle fonctionne bien. Youpi! Ça marche à merveille! Bien joué, les mécaniciens! Avec ce nouveau moteur, je suis la belette la plus rapide en ville! Oh là là! Je n'aime pas l'aspect de tout ceci, les mécaniciens! Burke, attention les mécaniciens! Aidez-moi! Oh, c'est dégoûtant! L'huile s'est renversée partout! Arrêtez-moi ça! Nom d'un tournevis qui tourne! Monsieur Weasel est hors de contrôle! Oh, quelle énorme et méchante marée noire! Nettoyons-la de suite, vite et bien! Mais cette huile est très collante! Oh, nous allons avoir besoin d'une plus grande brosse! Oh, bien sûr! Nous pouvons utiliser la vieille brosse du lavoto! S'il vous plaît, pouvons-nous l'attacher à vous, maman recyclage? Prenez des outils, c'est le moment de réparer! Et en même temps, chantons en rythme. Pour que ce soit propre et beau, attachons cette brosse de lavoto. En rond, on la fera tourner. De l'huile, le sol sera lavé. Tournez la brosse, vite fait, bien fait. Et adieu l'huile à jamais. Prêt tout le monde? Allez, allez, allez! Maman recyclage, ça marche. Bon travail tout le monde. Maintenant tout est beau et propre. Oh, contrairement à Monsieur Weasel. Hein? Il se peut qu'on ait un autre client, Maman Recyclage. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. Je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour, bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens! On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi.
C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. Bonjour à tous. Nous sommes à la base de 4. Elena a besoin d'un nouveau jeu de lame rotative. Oh, un peu de musique pendant que tu travailles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher les nouvelles lames. Hein? Il n'y a plus d'électricité. Il doit y avoir une coupure de courant. Oh non! Elena ne peut pas voler. Mon système d'alerte ne fonctionne pas. Que ferons-nous s'il y a une urgence? Attendez tous! J'ai une idée! Avec ces vieilles palettes, on peut construire une éolienne et produire de l'énergie à partir du vent. Oh, youh. Merci, Rouge. Ne lâche pas. Une fois qu'on exposera ces palettes à l'air, le vent les fera tourner et générera de l'électricité pour la base de 4. Maintenant, 4. Maintenant. Ella, tu n'es pas censé voler. Hourra. Et voilà, on a travaillé ensemble, en équipe, pour produire une électricité propre. Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu, tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gecko. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Waouh! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Comme j'ai mis un ressort dans les crics, je pense que tu vas le trouver un peu rebondissant. Ah! Oh! 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 Les mécaniciens! Oh! 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 Au! Oh! Au! Ah! Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc.
J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Oh, Burke. Bonjour, tout le monde. Ouh, nous venons de creuser ce grand trou afin de réparer un tuyau d'eau qui fuit. Ouh. Allez, les mécaniciens, on va vous nettoyer. C'est presque l'heure de se coucher. Merci pour ton excellent travail, Eric. C'est tout propre, les mécaniciens. Ah. Oh. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Il n'y a pas de scorpion ici. Ah. Hein? Nom d'un tournevis qui tourne. C'est un scorpion géant. Attendez. Je sais ce qui se passe ici. Allez, vous tous. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. D'abord, enlevons toute cette boue. Vous voyez, les mécaniciens? Ce n'est pas un scorpion géant. C'est notre ami Eric. Oh. Maintenant, allons réparer le bras de ta pelleteuse. Prenez vos outils, c'est le moment de réparer. Tournevis, clé à molette. Et pendant qu'on répare, on chante cette comptine. Allez les mécaniciens, ne perdons pas de temps. Ces grosses vis ici, nous les déferons. Les pistons hydrauliques rendent Eric si fort. Mettons-en de nouveau en un temps record. Ah. Te voilà fixé et prêt à rouler. Dans ce si grand trou, faudra pas tomber. Bon travail, les mécaniciens. Nous avons rendu Eric fort et puissant à nouveau. Au revoir, tout le monde. Regardez, les mécaniciens. Voilà Kat qui arrive. Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à atterrir en toute sécurité sur la neige. Hi-ha! Tu as réussi, Elena. Bonjour, Kat. Bonjour, Gecko. Regarde, Rouge. Carrie et Barry font un bonhomme de neige. Hey! Nom d'un petit chien! Ils partent à la dérive! Allez vite, Tilly la dépanneuse! Ne vous inquiétez pas, les jumeaux! On va vous sauver! Attrape, Carrie! Kat, tu peux essayer de rattraper Barry? No problemo. Vamos, Elena. Je t'ai. Appuie sur le bouton rouge. On a réussi.
Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige. Gecko? Oups! Lo siento! Pas de problème, Kat. On a un bonhomme de neige après tout. Ou plutôt un gecko des neiges.